Ah, là, de piètres offrandes en vérité. Une chape de laitage, deux tourterelles, un canari, trois petits fromages de chèvre, des fruits très peu et des fleurs beaucoup. Tout ça nous encombre en pure perte. Allez, débarrasse-moi de tout ça. Bien, monseigneur. Ah, il est bien passé le temps des troupeaux de bœufs et de brebis. Voilà où en sont les offrandes aujourd'hui. Alors je ne peux tout de même pas monter à l'autel de Jupiter pour lui sacrifier des fromages de chèvre. Hein? Les dieux s'en vont. Les dieux s'en vont. Pas tous, seigneur, pas tous. Hein? Oubliez Vénus. Ah, Vénus, oui, elle lutte. Ça, je ne dis pas le contraire. Elle lutte. J'ai lu récemment dans le Citéro magazine le montant exact des offrandes du mois dernier. C'est colossal, hein? Ah, il fait de bonnes affaires, le grand augure de Vénus. Ouais, ça, le fait est que depuis que, grâce au berger Paris, elle a battu Junon et Pallas dans le concours du Mont Ida, il n'y en a plus que pour elle. Tandis que ce pauvre Jupiter, le père des dieux et des hommes... Ah, le nom de Zeus, ça n'a pu réparer le tonnerre. Pas encore. Comment pas encore? Mais nous ne pouvons nous passer de tonnerre aujourd'hui. Ah, si vous croyez que c'était chose facile de réparer cet engin-là, vous m'obligez à taper dessus comme un fou. Philocombe, Philocombe, je te l'ai dit 100 fois, il faut taper dur pour frapper fort l'imagination du peuple. Oui, mais... Alors dépêche-toi d'en finir avec cet instrument. Oui, hein, mais... La journée commence. Ah, voici venir la plus belle moitié de Sparte, les pleureuses d'Adonis, conduite par notre gracieux souverain. Ils arrivent à reconnaître les
de Léda, si le sacrifice de... Le sacrifice attendra. Oui, le sacrifice attendra. L'empereur sans moi, le sacrifice peut toujours attendre. Et veuillez passer dans mes burennes. Alors, je vous écoute. Vous allez dire que je suis folle. Ça, c'est vous qui le dites. Ce concours du mont Ida, j'y pense sans cesse. Ce bois mystérieux, ces trois déesses, cette pomme que ce berger accorda à la plus belle. Ce berger, surtout, vous n'avez pas de nouveaux détails. Non, je regrette. Est-il vrai que pour remercier ce berger de l'avoir désigné, Vénus lui ait promis l'amour de la plus belle femme du monde? Oui, oui, cela paraît officiel. Mais la plus belle femme du monde... Mais c'est vous, reine, c'est vous, assumément. Taisez-vous, car si cela est... Eh bien, grande reine... Elle, toujours elle. Qui elle? La main de la fatalité qui tombe sur moi. Ah, ça oui, c'est vrai, oui. Ma naissance d'abord, vous la connaissez? Oh, qui ne la connaît pas? Ce signe traqué par un aigle que l'État s'en va dans ses bras. Calcas. Oh, pardon. Ce signe-là, c'était mon père. L'aigle, c'était Vénus. Cruelle Vénus. Vous voyez bien, Calcas, que je ne suis pas une femme ordinaire. Mais vous les connaissez aussi bien que toute la Grèce, les égarements involontaires de ma jeunesse. Enfin, après tant de naufrages, j'ai pu croire que j'arrivais au port. Et ce port, c'était Mélena. Oui, bon et excellent temps. Oui. Calcas, j'ai tout fait pour l'aimer, tout. Je n'ai pas pu. Ah, que voulez-vous quand on ne peut pas et on ne peut pas? Mais qu'est-ce qu'il va devenir, ce bon et excellent homme? Dame, si Vénus l'ordonne... Qu'est-ce que je vous disais? La fatalité. Mais c'est une excuse. Et on m'accusera cependant. Ah oui? Et quand je traverserai la foule du haut de mon char, j'entendrai, comme tout à l'heure, une voix qui sortira des rangs du peuple et qui dira, ce n'est pas une reine... C'est une cocotte. Oh non, mais vous vous êtes trompé. Cela ne s'adressait pas à votre majesté. Cela s'adressait à votre cheval. Une cocotte. Si, une cocotte. Et après tout, il avait raison cet homme. Mais c'est ma faute. Moi, la fille d'un oiseau. Est-ce que je puis être autre chose qu'une cocotte? Oh, entrez vite, grande reine. Je vois venir le jeune prince en reste. Oh, vous coquez de mes vues. Mais il vient par ici dans la si fâcheuse société. As-tu dit avec Parthénis? Il s'habille bien cette Parthénis. Valérie, il n'y a que ces femmes-là pour s'habiller avec une de du labyrinthe, cette nuit j'ai soupé mon vieux, avec ses dames de Corinthe, où ce que la Grèce a de mieux, c'est Parthénis, Héléna, qui m'ont dit de vouloir connaître, osais-je m'attendre à cela, mais là j'ai bien la lettre, c'est Parthénis, Héléna, c'est Parthénis, Héléna. C'est avec ces dames qu'on reste, et dans ces nages à papa. Papa s'en fiche bien au reste, car c'est la Grèce qui verra. C'est Parthénis et Léna qui m'ont dit de vouloir connaître. Pourrais-je m'attendre à cela? Les dames, j'ai bien de reconnaître. C'est Parthénis et Léna. C'est Parthénis et Léna. Parthénis et Léna, c'est Parthénis et Léna. Oh, my God.
casse le confident. Je ne vois pas. Comment le trouvez-vous? Super! Oui, oui, trop bonne en vérité, mesdames, mais un sacrifice très urgent, mon fils. Un sacrifice aujourd'hui? À quelle occasion? Que vous parlez en gosse? Bah ouais, pas mon samedi. À l'occasion, à l'occasion de la fête d'Adonis. Oh, c'est la fête d'Adonis aujourd'hui. Nous en sommes à la fête d'Adonis. Nous sommes de toutes les fêtes. Oh, la jolie fête que celle dont nous ne serions pas. Je venais un peu, mon bon Calcas. La fête d'Adonis, c'est un peu la fête de Vénus, n'est-ce pas? Oui. Alors, il me semble qu'étant donné le métier que nous exerçons par Tennis et moi-même, toutes les péripatéticiennes devraient avoir leur place réservée. Je veux, mon Dieu! Non, je ne dis pas, mais il a été décidé que seules les femmes du monde... Pas rien pour le demi-monde! Ah non, pas ça, Seigneur! Ah, parce qu'elle voudrait garder Adonis pour elle toute seule! Ah, je ne dis pas ça! Je dis simplement qu'il a été décidé que c'est... Enfin, ce sont des ordres supérieurs! Que l'enfer les emporte! Ceux qui ont donné ces ordres supérieurs et... Non, Seigneur! Seigneur! Vous me laissez entre mon devoir et mon respect! Je puis la cérémonie est présidée par la reine elle-même! Ma tante! Ma tante Hélène! Voyons, je l'aime bien, ma tante Hélène, mais elle aurait tort de faire la sévère, parce que pour des aventures, elle en a eu des aventures. Seigneur, je sais bien qu'elle se rattrape en disant que c'est la fatalité. Mais après tout, ces dames aussi, c'est la fatalité. Et alors, moi aussi, c'est la fatalité. Et moi donc? Et moi? Pourquoi est-ce que je sens là qu'il y aura dans mon existence des événements prodigieusement dramatiques? Toutes ces tragédies dont je serai le héros et fatalité? Et moi donc, qui ne demande pas mieux que de vous laisser entrer et qui suis obligé de vous dire que votre place est dehors? Fatalité! Ne vous fâchez pas, nous nous inclinons devant elle et nous partons. En avant la musique! Au revoir, Calcas! Et dire que c'est le fils d'Agamemnon, le fils de mon roi. Mais savez-vous ce qu'il me dit lorsque je le réprimande? Arrête ton char, augure. Oh, il vient de choses à ma tante. Oh, tu me l'as. Oh, 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 jeunesse. Allons, n'êtes-vous pas le grand augure de Jupiter? Oui, c'est moi, Calcas. Voilà qui tombe à merveille. Excusez-moi, jeune homme, je suis très pressé. Un sacrifice déjà très en retard. Le sacrifice attendra, je viens pour une affaire pressante. Si vous croyez que je me dérange comme ça pour le premier berger venu, hein? J'ai besoin de vous. Mais pourquoi faire? Vous allez sans doute me demander de vous tirer les cartes. Eh bien, il y a dans les faubourgs de petits oracles pour berger. Je suis, moi, le grand oracle de la cour. Et le grand oracle de la cour n'a pas reçu de lettre de Vénus? Ah non, pas le moins du monde. C'est curieux. Vénus a fait partir la colombe sous mes yeux. Mais vous savez que je n'y crois pas du tout à votre histoire de lettres de Vénus et de colombe. Vous n'y croyez pas? Eh bien, regardez. Quoi? Ce petit point blanc dans l'azur qui grossit, qui grossit. Non, mais c'est pas une colombe, ça, c'est un canard. Non, non, c'est ma colombe et c'est ma lettre. Hein? Oh, mais le fait est... Vous voyez. Oui, il est vrai. Prenez la lettre, allez, par vous. Hein? Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle demande s'il y a une réponse. Non, il n'y en a pas. C'est bien le timbre de Cythère, hein? Puis de Vénus, c'est bien de Vénus. Mais que faites-vous donc? Hein? Non, c'est pour l'album de timbre de la petite princesse Stéphania. Elle fait collection. Ah, très bien. Ah. Vous permettez? Mais je vous en prie. Prince de 20 ans, parfait homme du monde, un berger viendra. Au nom de Vénus qui sortit de l'onde, Calcas l'entendra. À ce doux berger dont Vénus proclame le goût merveilleux, Vénus a promis la plus belle femme qui soit sous les cieux.
quand paraîtra la divine Hélène, fille de Léda, Calcas au berger montrera la reine en disant « Voilà !» Voilà. Voilà, 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 voilà. Alors ce serait vous, ce Paris, le fils du roi Priam. Mais vous savez qu'on ne parle que de vous dans Sparte et dans toute la Grèce. Ainsi, c'est vous qui avez porté ce fameux jugement. Moi-même. Alors vous avez vu la déesse, hein? Un peu. Coquin, hein? Pardon. Si ce n'était pas abusé, je vous prierais de... De quoi? De me donner un léger aperçu. Mon farceur. Voici l'aperçu. Oh, mon lit à toi, déesse, se querelle dans un bois. Qu'elle élise ses princesses, la plus belle de nous trois. Et Moëque, ses déesses, pour nos jolis les garçons. Et Moëque, ses déesses, ont de drôles de façons. Ont de drôles de façons. Dans ce bois passe un jeune homme frais et beau. C'est moi, sa maître n'est qu'une pomme. Vous voyez bien le tableau. Oh, oh là, et le bon jeune homme, arrêtez-vous. Et veuillez donner la pomme à la plus belle de nous. Et Moëque, ses déesses, pour un joli les garçons. Et Moëque, ses déesses, ont de drôles de façons. Ont de drôles de façons. Une dige ma réserve, ma pudeur, ma chasteté. Donne-le prix à Minerve, Minerve l'a mérité. Et Moëque, ses déesses, ont de drôles de façons. L'autre dit j'ai ma naissance, mon orgueil, mon parent. Je dois l'emporter, je passe, donne-la comme à Junon. J'obéirai. C'est avec regret, je ne vous cache pas. Ménélas n'a jamais été un souverain pour moi, mais un ami. Cependant, je vous le répète, puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement, j'obéirai. Mon tonnerre, mes oracles, moi-même, sommes entièrement à votre service. Et faut-il vous présenter tout de suite à la reine ou... Soit, mais sans lui dire qui je suis. Ah. Oui, je désire garder le plus strict incognito, jusqu'au moment où la situation sera favorable. Un coup de théâtre. Non.
quand paraîtra la divine Hélène, fille de Léda. Calchas, ce berger, montrera la reine en disant voilà, et la voilà. Étranger. Je ne sais dans quel rang le hasard l'a placé, mais je sais que son front est brillant de génie et que jamais plus fier visage n'a passé dans le rêve éclatant d'une reine endormie. Des verres, princesse, auriez-vous bu? Ce sont des verres, et je ne sais, cela m'est venu tout naturellement en le voyant, sa prophétie. Berger. Enfin, du moins, il me l'a dit. Oh, bienheureuse, les bergères, si ce n'est qu'un berger. Mais en est-ce vraiment un? Je ne sais, mais s'il plaît à votre majesté de le lui demander vous-même. Ah, c'est une idée, ça. Laisse-nous, mon bon Calchas. Ce sont les dieux qui ont parlé par ta voix. Je vais l'interroger. Puisque Vénus l'ordonne, c'est la fatalité. Oh, jeune homme. Princesse. N'es-tu vraiment qu'un mortel? Les dieux parfois s'amusent à se présenter à nos yeux sous un déguisement. Je ne suis qu'un mortel. Pas possible. Et pas déguisé du tout, je vous assure. Un berger? Un berger. Oh, mais où donc est ton troupeau? Mon troupeau? Là-bas, dans la montagne. Et pourquoi l'as-tu quitté? Comment te trouves-tu ici? On m'a dit qu'il allait y avoir un concours. Je me suis fait inscrire et je suis venu dans l'intention de me faire remarquer. Par ta beauté. Disons par mon intelligence. Mais n'oublions pas ta beauté. Je ne te le dirai pas si tu étais autre chose qu'un berger. Mais avec toi, cela n'a pas de conséquence. Tu es vraiment très beau. Mon fils, princesse. Très beau de face, de profil. Oh, de trois quarts maintenant. Il est naïf, il a tout pour lui. Mais non, de trois quarts face à moi. Oh. Lève un peu la tête, n'ouvre pas la bouche. Oh, admirable. Vénus. C'est beau, un beau berger. Mais n'ouvre pas ta bouche. Mais je m'oublie à t'admirer. Quelle heure as-tu toi au soleil? Moi, 3h moins 5. Oh, mais je n'ai que 2h15. Ah non, mais si les 3h moins 5, la cérémonie va commencer dans un instant. Cruelle chose que l'étiquette. Une reine n'a pas plutôt admiré un berger pendant 5 minutes que crac. Le ticket arrive, elle ne sait pas. Reine, voici le cortège. Oh, vous me reverrez. Reine, voici les rois qui viennent pour la cérémonie. À l'enceinte, les diadèmes. Et renaître un peu de poudre d'or sur mes cheveux. Elle a raison, cela se fait beaucoup à se parcourir. Ma danse, plie, de ma danse, plie, de ma danse, plie, de ma danse.
Saint-Jacques. Et talon, tape les 14, tape les 14, tape les 14, le double Thomas. Le double Thomas. Il est vainqueur immense des couvreurs de Saxe. C'est roi, roi, pitoyance, pitoyance, c'est les deux Ajax, de les deux Ajax. C'est roi, mon pitoyance, pitoyance, c'est les deux Ajax. C'est roi, mon pitoyance, pitoyance, c'est les deux Ajax. Je suis le fouille de Tachy, la fouille de Tachy, la fouille de Tachy, le grand Myrmidon. Le grand Myrmidon. Quand je relève, je le dis tout bas. Ne me façonne la peine, n'anticipons pas. Je suis l'époux de la reine, l'époux de la reine, l'époux de la reine, le roi Ménélas, il m'est né, Ménélas. Voici l'époux de la reine, l'époux de la reine, le roi Ménélas. Voici l'époux de la reine, l'époux de la reine, le roi Ménélas. Et qui s'avance, et qui s'avance, et qui s'avance, c'est Agamemnon. Agamemnon. Et ce nom, seul me dispense d'en dire plus long. J'en ai dit assez, je pense, en disant mon nom. Le roi part, et qui s'avance, et qui s'avance, et qui s'avance, c'est Agamemnon. Agamemnon. Le roi part, et qui s'avance, et qui s'avance, c'est Agamemnon. La reine. Eh bien, Calcas, y sommes-nous? Oui, roi des rois. Très bien, la séance est ouverte. Je donne donc la parole au roi Ménélas. Mesdames, messieurs, je devais, il est vrai, présider cette matinée poético-littéraire, mais vous ne l'ignorez pas, je suis mal à l'aise dans les joutes oratoires. Aussi céderai-je volontiers la parole à mon beau-frère, Agamemnon. Vous me l'avez donné, je vous la rends. Ah bon? Rois et peuples de la Grèce, il ne s'agit pas aujourd'hui, comme dans nos luttes habituelles, de lancer le disque d'une massure ou d'irriger un char à la carrière. Cette journée est spécialement consacrée aux choses de l'intelligence. Les hommes forts, nous en avons. Le bouillant Achille est fort. Les deux Ajax sont forts. Couchez 30 millions d'amis. Et moi-même, couché, n'est-ce pas? C'est la position que je préfère. Mais voyons, c'est pour cela que nous avons institué ce concours, n'est-ce pas? Ce que nous n'avons pas, ce sont des gens d'esprit. C'est vrai! Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas l'herche, hein. Je dirais même mieux. Nib de Nib. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Nib de Nib? Pas l'herche. Et pas l'herche? Nib de Nib. J'ai compris. Bon, enfin! Des gens d'esprit, nous en manquons. C'est afin de les découvrir que nous avons institué ce concours. Les rois, les poètes, les bergers. Les bergers, les bergers, les bergers. Il est. Qu'est-ce que
excusez-la, elle ne peut pas résister devant un travailleur agricole. Le vainqueur obtiendra des mains de la reine une couronne de feuilles de pin. J'avais tout de même parlé, pensé à une couronne de feuilles d'or. Mais je me suis dit que pour des gens d'esprit, le pain, n'est-ce pas, c'était bien assez. Et voyons, jeunes élèves, élancez-vous dans la carrière et disputez-vous-là cette modeste et combien glorieuse couronne. Et vous, fanfares, sonnez pour l'éloquence du roi des rois en attendant de sonner pour le triomphe du lauréat. En avant la musique, fanfares. C'est à vous, cette musique? Ben oui, c'est à moi, mais c'est pas de leur faute. Il fait moins 13 dans la fosse. Bon, ne perdons plus une minute. Alors, le calembour. Le calembour. Voilà, il... veuillez poser la question, je vous prie. La question, elle est extrêmement facile. La question. Quelle différence y a-t-il entre des cornichons et calca? Cette fois, j'ai trouvé. C'est peut-être la réponse, c'est une unanimité. Non, ce n'est pas la réponse. Oh. Le berger. Oui, lui. Oui. Allons, il est. Parce que tu la connais, toi, la réponse. Oui. Eh bien, tu n'es pas bête pour un pastourio. Je m'adresse à Calcas et je lui dis, la différence n'est pas maigre entre les cornichons et toi. Ils sont confits dans du vinaigre, Calcas est confident du roi. Ah, j'ai compris. Pas moi. Ah, ah oui, oui, c'est très délicat. J'ai rien compris du tout. Ah. Bien. Alors, berger, tu as gagné la seconde manche. Quand t'attendons? Non, je préfère toujours attendre. Bien, fanfare. Fanfare pour l'inconnu. Dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça, c'est un vieillard du folklore alsacien. Bien, alors continuons. Troisième et dernière manche, les bourrimés. Allez, voyez. Les bourrimés, les voici. Écoutez bien, messieurs, dames. Chêne. Allez, chêne. Pois. Pois. Peine. Peine. Trois. Ils sont trois. Un peu faciles, mais pour un premier concours. À moi, à moi, à moi. Ah. Dites-moi. Ah. Vous avez beaucoup de zèle, mais ce zèle, jusqu'à présent, ne vous a pas tellement réussi. Enfin, voyons! Attachez-moi avec une grosse chaîne! Mettez-moi sur le dos une quantité considérable de poids! Et malgré ça, vous me verrez m'en aller sans... Jusqu'à trois! Ce ne sont pas des vers, mon ami! Hein? Mais pourquoi ça, puisqu'il y a les rimes, enfin? J'ai toute une éducation à faire, nous ne sommes pas ici pour vous apprendre la prosodie. Ils sont boiteux, tes vers. Comme, comme, comme! Ils manquent de pied. Oh, assieds-toi. Assieds-toi, monsieur. Tu veux dire quelque chose, mon petit? Oui. Bon, alors viens avec moi, prends ta colonne, allez, hop. Allez! Comment t'appelles-tu? Ajax Ier. Quel âge as-tu? J'ai 33 ans et demi. Alors, voyons. Tu es venu ici avec tes parents? Oui. Oui? Où sont-ils? Tu veux me les montrer? Ils sont là-bas. Oui? C'est mon papa. Bonjour, monsieur. Ma maman. Bonjour, madame. Mon bébé. Bonjour, monsieur. Ma mémé. Bonjour, madame. Mon tonton. Bonjour, et puis ma tata. Bonjour, monsieur. Pardon.
Qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras grand? Quand je serai grand, eh ben je vais rentrer dans le temple d'Athéna pour violer Cassandre. Ah non, non, non. Oh, voyons, enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Je suppose que tu es venu pour dire des vers, n'est-ce pas? Oui. Pas pour autre chose, pour un quatrain. Alors nous t'écoutons. Toute chaîne a deux poids, toute peine en a trois. Oh, ah, c'est mignon. Ah. Vous comprenez, le roi Ménélas? Eh bien, je comprends, et comme chaque dimanche, le jury, avec générosité, accorde 10. Vous ferez école des fans, bien entendu. J'ai délicat. Ah, le berger va avoir du mal. On me demande. Oui, oui. Écoutez-le. Je m'adresse au roi Ménélas. J'y consens volontiers. Ainsi qu'à la souveraine. Ah. Et je leur dis, quand on est deux, l'hymen est une chaîne dont il est malaisé de supporter le poids. Mais on la sent peser à peine quand on est trois. Délicieux, délicieux. Ah, qu'en pensez-vous, Ménélas? Bien, sur la forme, il n'a rien à redire, mais disons que sur le fond, il y en a un de trop dans le lit, jeune homme. Évidemment. Donc, berger, tu as à toi le dernier, troisième et meilleur pompon. Voilà. Ce qui dame est Paris, le fils du roi Paris. Au ciel, au ciel, au ciel.
gentilhomme. Vraiment, vraiment, j'en suis fort aise. Il aime avec chagrin, une de sa noble main, poser le verre d'envier sur le front d'un vilain, sur le front d'un vilain. Couronnez-le, madame. Que ton royal demeure, nous aurons l'honneur de vous voir. Nous nous mettons à nous attendre la soupe. Fille de Jupiter, je ne l'oublierai pas. Je ne l'oublierai pas. Cela fait tant l'été qu'il me suit et pas. Je le ferai bien davantage si mes délas étaient absents. Si mes délas étaient absents, si mes délas étaient absents. Je veux arranger ça. Merci, mon bon Calcas. Si l'on tombe, à l'ouvrage. Je sens comme un frémissement, à ma voix Jupiter décrète. Qui se barre petit, qui se barre petit, qui se barre.